France Bleu. J'ai envie de dire, elle n'a pas l'air très très douée. Bonjour Norine. Ah non, alors franchement ça. Ouais. Je suis vraiment une bille. Les joies de l'informatique. Mais en même temps, on ne vient pas à créativité pour. Ça, je suis pour l'informatique, elle est très bavarde aussi. Hein. Aussi. Ouais. Elle s'appelle comment? Nathalie. Oui. S'il vous plaît, 2 minutes. Ah, même 3. Hein. Merci beaucoup. Par contre, je reviens bien le café parce que j'ai ma petite chocolatine parce qu'on est toujours bien accueillis ici chez Maureen. Avec Cœur de Salice de Berne. Ce sont des artisans locaux, régionaux que vous mettez en valeur ici. Oui, c'est ça. Là, actuellement, à l'association, nous sommes 25 adhérents. Mmh. Parmi ces créateurs, tout le monde vit à peu près 60 km autour de Salice, donc c'est assez local. Et on a tous des techniques différentes, des choses à découvrir. Oui, parce que votre boutique, c'est une coopérative d'artistes, en fait. Oui, enfin, coopérative, une association de créateurs. Ouais. Oui, j'utilise le mot coopérative parce qu'il y a sûrement aussi un engouement entre vous, entre tous ceux qui créent, parce qu'on va retrouver plein de choses différentes. Ça va de l'habillement. Oh, j'adore le chapeau sur la tête de, dans la tête de mort avec la pipe comme ça. Pas mal, hein. Ah, c'est excellent, ça. Qui c'est qui fait ça? Alors ça, c'est Patricia. Elle habite à Puyot et elle nous fait des objets en 3D, en papier, et elles peuvent tout faire. Un jour, une dame est rentrée ici en nous disant « Mais vous n'avez pas de pélican ?» 3 jours après, elle avait son pélican. Ah bah si, on peut faire pousser des pélicans comme ça. Et puis, ça va jusqu'aux objets utiles. Il y a de très, très jolis stylos qui sont aussi faits artisanalement. Oui, alors ça, ils sont donc c'est du bois tourné et c'est fait à Cagnotte, donc tout près d'ici, par Émilie. Qui nous fait plein de choses en bois, super sympa. Comment vous avez trouvé tous ces artistes ou ces créateurs? Alors moi, quand j'ai ouvert la boutique, au départ, je faisais des expositions artisanales, donc on se connaît tous. Nathalie a continué à en faire après la boutique, moi j'ai arrêté. Et du coup, on recrute les gens par copinage. Il faut, pour rentrer à la créativité, il faut être sympa, il faut faire des choses très belles et qui aillent avec le reste de la boutique. 10 rue Élisée Couster. Voilà, pour venir ici à Salice de Berne, rencontrer Maureen, toute l'équipe, quelquefois les artisans créateurs y passent. Oui, alors vous avez Nathalie qui est là donc le mardi, Patricia qui est avec moi souvent le samedi, ma maman qui est là le mercredi, et puis les autres créateurs selon nos besoins, si on a besoin de se faire remplacer, ils viennent, et souvent le samedi si c'est très animé, on mange ensemble, enfin c'est une vraie association. Bon, on vient avec son pique-nique alors du coup. Ouais, c'est toujours sympa. Merci beaucoup Maureen. À bientôt.